Bonjour, je m'appelle Guillaume Meurice et je vais réagir à ce que les gens pensent de moi. J'ai peur. Ouais, gauchias, ça revient souvent, ça. Il y a eu gauchias, il y a eu islamo-gauchiste, il y a tout un tas de gammes d'insultes qu'on reçoit régulièrement. Ça a commencé avec droits de l'hommiste, donc respecter les droits de l'homme, c'était devenu le mal. Et aujourd'hui, c'est wokisme qui est pas mal à la mode. Voilà, ça change, hein, c'est vraiment une sémantique qui évolue. Ça veut toujours rien dire, mais ça évolue, puis ça occupe des pages, ça fait parler, donc c'est bien. Bah, c'est gentil. Bon, c'est pas moi qui ai inventé hein, le micro-trottoir. Par contre, ce qui me fait marrer, c'est que parfois, on me confond avec un journaliste. Parce que les journalistes font pas mal de micro-trottoirs, ce qui est quand même le niveau zéro absolu du journalisme. Parce qu'il suffit après de sélectionner les réponses qui nous arrangent pour faire dire ce qu'on veut à un sujet. Et c'est vraiment précisément ce que je fais tous les jours. Intéressant. C'est pas facile, ça. Un sarcasme avec un air hautain suffisant. Un petit peu comme ça. Je pense que la personne m'a confondu avec Emmanuel Macron. La République. Oui, va falloir se faire à cette idée. Hein. Je serai le prochain président de la République. La défaite est absolument pas envisageable. En 2022, donc pour cette élection, j'ai eu 6 parrainages, alors que je m'y suis pris vraiment comme un branque. Donc là, si je m'y prends dès maintenant, et puis avec le programme que j'ai, c'est évident que je vais gagner. Et si je gagne, alors c'est la France qui va gagner. J'imagine la personne au Conseil constitutionnel qui a ouvert l'enveloppe et qui a lu le nom et qui a dû faire « bon ». Bah, faut ouvrir encore un fichier avec un autre nom. Et puis après qu'on a vu 2, puis 3, puis 4. Il y a eu une espèce de courbe exponentielle. Hein. Il y avait une dynamique, Meurice, faut pas l'oublier, ça. Les historiens, quand ils bosseront sur la question, ils verront qu'en 2022, il s'est passé quelque chose. Que c'est pas arrivé comme ça de nulle part. Ah ouais, mais on est beaucoup sur la... Maintenant, il y a Pierre-Emmanuel Barré aussi. Ouais, Laurent Wauquiez, c'est... D'ailleurs, si vous regardez bien, entre Laurent Wauquiez et Pierre-Emmanuel Barré, il y a de moins en moins de différences. Et ça, c'est un petit peu flippant. Je pense que c'est ma mère, je devrais pas lui laisser les codes Wi-Fi. Ouais, ça va pas du tout. Arrête, maman, arrête. C'est gênant. C'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est vrai que Pascal, on a une vraie relation. Il a d'abord demandé mon licenciement, vraiment en direct dans son émission. Il a appelé à ce que je sois viré. J'ai demandé à Madame Bloch, qui est directrice de France Inter, on verra si ce monsieur est encore à l'antenne. Il a dit à la patronne de France Inter, virez-le, c'est plus possible de payer cette personne avec nos impôts. Je lui ai envoyé mon livre avec une petite dédicace. J'avais marqué « Sommes-nous tous le bouffon de quelqu'un ?» Et ça lui a énormément plu. Et j'ai compris qu'il voulait juste de l'attention. Il voulait juste qu'on lui dise « Oh, Pascal, je t'ai vu. Viens, je te fais un petit câlin, ça va bien se passer. » Mais arrête ton émission pourrie quand même, ça ferait du bien. Même pas. J'ai eu tendance au début de mes micro-trottoirs, j'avoue, à faire au faciès. C'est mal et c'est inopérant. C'est-à-dire que la seule manière de faire, c'est de faire au hasard. Il y a vraiment des gens qui ont un physique où on se dit « Ah bah lui, il doit vraiment avoir un bon gros discours de droite, etc. » Puis en fait, pas du tout. Donc non, ça marche pas. D'ailleurs, c'est plutôt rassurant quand même, quand on y pense. Alors ça me fait perdre du temps, mais c'est plutôt rassurant dans la vie que les gens aient pas le physique de leurs idées. Oui, parce que là, on parle d'humour, de blagues, de machin. Évidemment, ma véritable profession est influenceur gainage. Bon, ça, c'est un secret pour personne. J'essaye de pas trop non plus l'étaler au grand jour, parce que ça fait des jaloux. Mais j'ai cette passion du gainage. J'ai un record qui est estimé entre 4 et 8 secondes. Donc, je fais du gainage sur des courtes durées. Et j'ai surtout développé une discipline qui s'appelle le air gainage. Là, par exemple, je suis en train de faire du air gainage, et vous ne le voyez pas. C'est quoi la ligne éditoriale de Combini, à part interroger tout et n'importe qui sur tout et n'importe quoi? Donc oui, je suis d'accord, c'est même exactement ce que je fais tous les jours à la radio. C'est vrai que ça me fait pas mal rigoler quand on me traite de bobo parisien, parce que j'ai vraiment grandi dans un bled paumé qui s'appelle Jussé, à côté de Vesoul. Effectivement, Vesoul qui est connu pour la chanson de Jacques Brel, et j'ai mis un petit moment à comprendre qu'ils se moquaient un peu de Vesoul quand même dans la chanson. Et voilà, et je crois qu'à Vesoul, ils ont toujours pas tout compris parce qu'il y a un collège Jacques Brel. Voilà. Mais j'aime beaucoup Vesoul. Contre-piétiste, c'est pas mal. Ah oui, c'est pas mal. Ouais, j'aime bien. Oui, j'aime bien prendre le contre-pied. C'est-à-dire, j'aime bien aller plus loin que la simple évidence. J'aime bien demander pourquoi. C'est assez intéressant de demander aux gens pourquoi. C'est un peu une technique enfantine aussi. Les enfants posent beaucoup la question pourquoi. Pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi vous pensez ça? Donc, ça a un côté agaçant. Mais j'ai pas dit que j'étais pas agaçant. Hein. Enfin, mes profs me disaient que j'étais pas mal agaçant. Mais j'en ai fait un métier.
Ouais, c'est pas mal ça. Ça me va plutôt bien ça. Mais l'absurdité, elle est déjà là dans le quotidien, donc il suffit juste de la pointer du doigt. J'aime bien tirer le fil de ça, ouais. Dès que je vois une contradiction, dès que je vois des gens qui commencent à dire l'inverse de ce qu'ils ont dit, le plus célèbre exemple étant « je ne suis pas raciste, mais » après ce début de phrase, « suis systématiquement quelque chose de raciste ». Et ça, c'est vrai que ça a tendance à pas mal m'amuser. J'ai tendance à pas mal questionner, rebondir, dire « mais précisez-moi votre pensée, ça m'intéresse », etc. Ouais, je suis un peu taquin. J'aime à dire que je fais du taquinage artistique.